Ah, j'en ai pas non plus. Ok, donc on s'est fait exprès du coup. On lui met tes mains sur la tête. Et de là, on ramène les deux. Je les tiens en vous. Tu vas chercher le camion. Et on se sert dans la moitié dans un des deux trucs, quoi. Un peu, afin de pouvoir remplir le camion au maximum. Ouais. Et après, tu ramènes ta voiture. Enfin, après, faut pas que. Faut faire vite, quoi. Parce que sinon, on fera le casser, il va débouler. Comment? Nika, là, tu t'attends, tu ramènes vite en hangar, limite, non? Ouais, je lui mets les mains sur la tête et dans le hangar. Mets-toi en faible, surtout. Ouais, j'y suis. Ah bon, on fait plus de salade que... Leurs armes, on les prendra et on ira les mettre à la station service, ils iront les récupérer. Non, on les laisse partir, on se casse. Ah, mais ils vont les reprendre, ils vont nous arracher. Sinon, toi tu restes le temps que moi je me barre en camion et après tu repars à ta voiture à pied, non? Je m'occuperai de remplir et toi tu les tiens en joue. On stocke dans ma maison. La bobine de fil, elle a 35, donc c'est pas la peine d'aller vendre. Allez, on va faire que deux. Mais ouais, on stocke. Là, quand on repart faire Cancun, c'est limite, on le range même pas dans ta maison. On le stocke même pas dans ta maison, on le range direct dans le garage de ta maison pour pas se faire ça. Ouais, c'est clair. Limite, on va faire un trajet de. Enfin, en Cabon Noir, on va faire un trajet de pêche, et ensuite on va vendre de pavot. Par contre, ils mettent 20 plombs de traitement. Hein. Ouais, bah ils sont pas finis au 20, ou je pense. Enfin, normalement, il n'y a pas le droit de camper plus de 15 minutes une zone. Ils arrivent juste. Le signal ce sera go. Ok. Moi j'ai pas de visée sur l'envers, je suis vraiment derrière.
j'ai envie. J'ai pas entendu, c'est là par les mains. Main sur la tête. Dépêche. Il n'y a pas la radio au gars. Tu vas mettre les mains sur ta tête. Tu me ramènes le gars. Vas-y, lève-toi. Vas-y, va avec ton collègue là-bas. Vas-y, je te ramène en hangar. Je les prends les clés de leur véhicule, tu me les donneras quand je reviens. J'ai déposé son arme devant sa maison, dépose l'arme de son collègue, j'arrive. Non, il était pas armé. Ok. Faut que je fouille son sac quand même, qu'il fasse pas les fous, hein. Gardez bien en joue, tu les alliés. Je peux leur mettre des secs noirs sur la tête. J'en ai qu'un seul sac noir. Ok, attends, on va leur mettre le mien, t'inquiète. Reste là, toi. C'est quoi, monsieur? Vas-y, gardez bien en jeu. Hop, toi, on va te mettre un petit sac sur la tête. Voilà, nickel. Mais t'as pris leur clé? Ah, mais y'a rien dans son clé. On a les crocs, hein. On va se permettre de fouiller. Alors attends, CZ, Booking. Moi j'ai vu un bandana. Là j'ai 65 seringues. Ombre noire, putain, ça me passe ces conneries. Attends, faut que je dépose des trucs dans le camion. Elle a beaucoup de paroles, mais c'est. Les 63 seringues qu'on peut en prendre. On en a pris encore. Prends-en 40. Non, ouais, 40. T'as ouvert leur camion? Ouais, mais y'a rien dedans. Il y en avait 63, donc ils vont voir, c'est bon. T'as checké l'autre là, le rouge? Non, j'ai pas checké. Il a qui le camion rouge là? Bon, je vais checker. Oh. Vas-y, t'inquiète, je les garde en jouant. Avec un sac sur la tête, on va pas faire grand chose, mon ami. Hein, ah, tu peux te revertir les mains de ta tête et puis. Oh, merde, putain, j'ai pas fait la bonne action. Vas-y, je continue à prendre ça. Vas-y. Putain, c'est vous pour ces putains. Des cargaisons, ou perdre une vie. Hein. Comment? À ma vie. Perdre une cargaison ou une vie, ouais, c'est sûr. Hein, C'est bien vous tenir. C'est bien pensé comme ça. C'est très bien, messieurs. Moi j'aime bien les gars qui réalisent comme vous. Ouais, c'est une question de bon sens. Bah oui, c'est de la logique, c'est que de l'argent, les seringues, c'est que de l'argent. Hop, t'as fini, je vais aller m'occuper de la maison, tu les gardes en joue. Ouais, vas-y, va t'occuper, va regarder. Non, j'ai pas fini, j'ai pas tout fait encore. Bon. Ok, bah vas-y, check juste la maison. Vas-y, fais vite, quoi. Il reste encore 15 à prendre. Limite, j'ai vu qu'il y avait une pince coupante dans le coffre pour les surflex. 73 seringues dans l'autre coffre. Pareil, on en prend 50 là. On en laisse 23. Vas-y. Sinon, j'ai des surflex, donc on est pleinard. J'ai une pince coupante. Ok, nickel. Bah, surflex les histoire qu'on soit tranquille. Ouais, c'est fait.
J'ai vu qu'il y avait un bandana spécial. Est-ce qu'on peut... Si c'est ton kiff, vas-y. Non, enfin, on s'en bat les couilles, je m'en fous. T'apportes une boîte de cigares, gros, j'apprendrai bien. Et c'est qu'il y en a qu'une. Il y en a qu'une, alors... Je crois pas que je peux... Au pire, tu leur pètes à 2-3 cigares et puis voilà. Ah ouais, t'inquiète. Ils ont Serflex là, ça y est, c'est bon, on est tranquille. Ouais, ouais, ils ont Serflex. Ah, faut juste faire gaffe que ses collègues débarquent pas, quoi. Ouais, ouais, t'inquiète. De toute façon, je les bute alors, quoi. Limite, je vais prendre leur radio, mais bon, tu vois, libéré, ils vont dire. Ouais, non, vas-y, laisse leur radio, t'inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé, t'es où? Monsieur, votre collègue, il est venu de son propre chef ou pas? Oh, il est venu de son propre chef, hein. Il sait exactement où on habite, il a vu que le GPS a fait il est pas dedans. Est-ce qu'il y en a d'autres, des collègues à vous comme ça? Ah, ça je sais pas, hein, monsieur. Ah ça, ouais, ça dépend de ceux qui l'ont vu ou pas, hein. Ça rentre, mon gros. Ah, je peux rien pour toi, désolé, hein. Oh, putain! Pourquoi t'as plus ton sac sur la tête, toi? Bon, de toute façon... Ah, ouais, mais c'est lui qui avait la pince coupante, ouais, en plus. Est-ce que vous avez notre pince coupante dans vos coffres, messieurs? Il me semble pas. Ah, bah, je vais pas pouvoir vous détacher, malheureusement. Ah, écoutez, messieurs, j'aurais bien aimé que ça se passe pas comme ça, que ça se termine pas en bas de 100, mais bon, bah, votre collègue en a décidé autrement, donc... Ouais, mais on était avec vous, vous avez bien vu qu'on pouvait pas communiquer. Ouais, je sais très bien. D'ailleurs, votre ami, il perd pas un peu beaucoup de sang, là? Ah, non, mais mon ami, c'est fini pour lui. Même la secrétaire, au niveau de l'hôpital, peut pas... Ah, non, je pense pas, hein. Parce que, écoutez, j'essayais de lui mettre un bandage, mais... Apparemment, votre collègue lui a mis une blessure fatale en pleine tête. Hein. Puis votre collègue a également pris une blessure fatale. Ah. Ouais, il aurait dû. Moi, il fera plus de bêtises. Ouais, non, et puis j'ai rien pour vous détacher là, du coup. J'ai une pince au four, mais 150, mec. Ah ouais, putain, en plus. Ah ouais, merde. Ouais. Oh, c'est des herbes. Tiens, d'ailleurs, messieurs, j'ai pas pris vos identités là. Je me permets de fouiller dans vos sacs, hein. Allez-y. Zulu Marvin. Et vous, vous avez pas de sac.
C'est dans vos poches, monsieur? Ouais, poche gauche. Ah. Franck Lucas. Ça me dit quelque chose, ça. Ah bon? Ouais, Franck Lucas, ça me dit quelque chose. Ah bon? Vous seriez pas au gouvernement, des fois? Ah non, pas du tout. Vous êtes sûr, monsieur? Ah ouais, pas certain. Vous devez faire fausse route. Vous savez, des chauves, il y en a partout. Hein. Ah ouais? Ils se ressemblent tous. On va se méprendre. Ah putain, et ça me fait chier, je peux pas vous détacher là. Vous avez pas une idée de comment on peut faire là, monsieur? Parce que bon. Comment? Comment ça, comment on peut faire? Ah bah oui, je vais pas aller jusqu'au. Sinon, si vous avez un véhicule, on peut aller au four là, qui est à 500 mètres. Ah ouais? Ouais, j'ai une pince coupante là-bas. Écoutez, je vais revenir dans 3 minutes. D'accord. Bah, on reste là. Oh, vous allez pas pouvoir aller bien loin de toute façon.